Seigneur. Ça dit quoi, la famille? J'espère que vous portez bien là-bas. C'est le bas de Conus, homme d'Aférus. C'est le bas de Conus, homme d'Aférus. Là, je suis d'abord choqué. Je commence d'abord ce live par une pensée assez triste à l'égard de mon grand frère Serval, qui est décédé ce matin, connu sous le nom de Chef Ella, ancien membre du groupe Antofia Staff, un Bitabois, un garde de Beyrouth, et Toubitab est en deuil. Sincèrement, Toubitab est en deuil. Donc, Serval, que ton âme repose en paix. La famille. comme vous avez vu, hein, j'étais concentré sur le mouvement du 16. Mouvement du 16 qui s'est très bien passé, malgré les sorciers, malgré les douloureux, malgré les pages de merde qui ne servent à rien, les pages LN2A qui ne servent à rien. Le show s'est très bien passé et Paris était blondé à craquer. Donc, je venais d'abord d'entrée de jeu féliciter la bande de Congueg pour la mobilisation, féliciter la bande de Congueg pour la présence, féliciter aussi les douloureux. Parce que, vous savez, en communication, même quand on parle de toi, quand on t'insulte, on parle de toi. Donc, quand vous êtes bête là, voilà pourquoi, même quand tu parles en mal, tu fais la pub de l'événement, même dans ta douleur en fait. C'est ça la com. Quand on parle d'un événement en bien ou en mal, tu fais la com. Donc, quand vous êtes des baboules là, à force de vouloir me mettre, en fait, vous avez voulu me mettre le barat, mais vous avez fait la pub Ngoli. Donc, vous avez fait ma pub Ngoli. Bande des pages en torchon, pages papier hygiénique. Faire chier les gens. Faut tant que vous êtes là, vos culs. Je commence par ça et je vous bénis avec mon cul posé sur vos têtes. Pendant aussi ma période d'homme d'affaires, quand je suis dorénavant aussi un homme d'affaires, il y a eu la vidéo de la petite Camerounaise là. Il y a eu la vidéo de la petite Camerounaise. Plusieurs de mes balocos m'ont tagué dessus. J'ai écouté le contenu de la vidéo de la petite là. J'ai écouté le contenu, ça m'a choqué. Hein. Ouais, ça m'a choqué. La petite là est allée très très loin. J'ai eu aussi à voir une vidéo dans laquelle elle venait présenter ses excuses. J'ai aussi vu ça. Mais la partie qui me choque, vous comprenez, majoritairement, parce qu'elle a parlé de quoi, on est des paresseux, nos filles, on les bounja n'importe comment, nanani, nananer, que c'est eux qui jiguent notre pays à notre place, Léon Camar, que eux ils construisent chez nous, aucun Gabonais ne peut faire ça, que nous sommes, en fait, vrai, hein, elle nous a traités comme de la merde. Ah ouais, ça fait mal quand ça sort de la bouche d'une petite fille. Mais le problème avec les enfants, ce que vous ne comprenez pas, et là j'insiste dessus, quand une petite parle comme ça, c'est qu'elle reçoit ce type de message depuis la maison. Parce que majoritairement, je suis désolé, hein, oh, si la petite là, chez vous, si c'était une Gabonaise, chez vous, qui avait ouvert sa bouche comme ça, pour parler comme ça là, vous n'allez pas accepter ça chez vous. Dans vos conneries là. Et puis ta merde ici, lui, le balcon 2017. Tu mets mes doigts au cul et tu dégages ma page. Elle est une petite connasse comme ça là. Une petite qui ne sait pas comment bien placer. Donc, mettre au centre de son con la garniture. Une petite fille prend la garniture là, mettre au centre du con pour éviter que les pertes des règles débordent. Une petite connasse qui ne sait même pas prendre le rasoir bic pour faire la petite crête sous le chapeau du clitoris. Une petite bordel comme ça là.
va venir ouvrir sa bouche. Mais dit qu'il suce encore le Bangala avec les dents. Va venir ouvrir sa sale gueule pour insulter toute une nation. Donc, le problème là commence dans la maison là-bas. Le problème là, laissez-moi le modèle là. C'est vous là-bas qui traitez, oh les Gabonais sont xénophobes, machin. Vous venez nous insulter chez nous. Vous nous manquez de respect. Après, c'est vous qui voyez votre sale gueule. Je dis, hey, je prends mon cul, je mets ça sur vos visages. Je prends mon cul et je mets ça sur vos visages. Donc tu es venu, bouillis, on est payé hospitalier, on vous rend riche chez nous. Et puis c'est vous qui nous parlez comme ça là. On commence à voir comme ça. Donc c'est un langage qu'ils parlent chez eux. C'est comme ça. Chez eux, ils nous traitent comme ça. Donc la petite là vient seulement. Elle ouvre sa bouche par rapport à ce que ses parents pensent. Ça, c'est la vérité. Ce phénomène-là, chaque fois, vous les petits, je vous raconte ceci. Je vous fais toujours cette genèse et les grands pourront confirmer. À l'époque de Léon Ba, le taux de chômage au Gabon était de 0%. Tous les Gabonais travaillaient. Peu importe le secteur, tous les Gabonais travaillaient. C'est Omar Bongo qui est venu avec la mentalité suivante après le boom pétrolier. Ce maboule d'Omar Bongo, ce nez-là, c'est lui qui est venu avec le mouvement que le Gabonais ne doit plus se salir. Le Gabonais doit se concentrer sur ses études et laisser entre griffes les sous-métiers. De base, le Gabonais travaillait dans tous les secteurs. C'est Omar Bongo et tout le monde. Le Kourou là, la taille comme le Manion Kobamba, c'est lui qui est venu avec l'histoire là. Ça fait en sorte que les Gabonais se sont concentrés sur les études. Avant c'était tranquille, on terminait les études, on adhérait à la fonction publique. Mais avec le temps, la densité, on se retrouvait avec un problème. Les Gabonais, comme il est là la preuve là, vous êtes plusieurs diplômés. Mais il n'y a pas de structure. Il n'y a pas. Les diplômés qui chôment. Vous avez là les diplômes Spider-Man. Les diplômes qui ont des toiles d'araignée dessus. Vous avez les diplômes. Là, on prend ton diplôme. Tu prends ton attestation du bac. On regarde ton attestation là. On peut faire une fouille archéologique avec. On sait que tellement ça a duré. C'est en case. C'est posé en case. Parce que pour aller, pour la quête de l'emploi est verrouillée, c'est compliqué. Maintenant, on se retrouve avec un problème. Le Gabonais paresseux a disparu. C'est ce que les gars, en fait, c'est ce que la Légion étrangère là ne comprend pas. Parce que à notre époque, donc à l'époque de nos grands frères, ils pouvaient dire ça. Mais aujourd'hui, on voit les Gabonais entreprendre dans tous les secteurs. Mais quel problème? C'est le problème est le suivant. Vu que la Légion étrangère est consciente que ce secteur est la base de l'économie d'un pays, et ils sont restés là implantés, ils ont déjà le goût de notre argent, ils ne veulent pas nous laisser notre argent. C'est nous, oh, foutez-moi le camp. Ils ne veulent pas nous laisser notre argent de notre terre. Vous voyez le marché, il y a beaucoup de Gabonais qui sont là-bas licenciés. Ils ont beaucoup, les masters, les machins, ils sont là-bas. Dans tous les secteurs, les Gabonais qu'on appelait sous-métiers, il y a les Gabonais là-bas, maçons, menuisiers, machins. Les Gabonais sont là-bas. Mais c'est les secteurs qui sont occupés par qui? Par les gens-là. Et qu'est-ce que les gens-là font le plus souvent? Ils verrouillent les Gabonais chez eux. Ils verrouillent les Gabonais chez eux. Et c'est un problème qui doit être réglé par décret. C'est là où après, quand je vais encore péter les plombs, j'avais dit que je ne vais plus péter dans les histoires là. Quand je vais encore appeler au Ligue bizarrement, vous allez dire que je suis bizarre. Au lieu de communiquer, bah, que Ligue est bah, 1000 postes budgétaires, que... non, c'est terrible, c'est pas ça. Tu as dit la restauration de la dignité des Gabonais.
C'est communauté bar, machin bar, bar, CTRI. Dorénavant, le secteur du transport au Gabon sera assuré par des Gabonais. Ça, c'est un communiqué bar, que vous faites là. Et si il n'y a pas les moyens, l'État gabonais met à la disposition du peuple gabonais 10 000 taxis. On commence comme ça. Taxi que vous voulez faire, ouais, après on rembourse 50 000 par jour, ça fait un petit truc qui tourne. Dorénavant, Mbouët doit être occupé à 80% des Gabonais. S'il n'y a pas les microfinances, on finance les projets des Gabonais. Il y a l'argent, il y a les milliards. Là. Ne faites pas comme si vous n'avez pas l'argent. Je dis bien, ne faites pas comme si vous n'avez pas l'argent. Hein. C'est des décrets comme ça. Vous mettez en place. C'est pas 1 000 postes budgétaires là-bas. Arrêtez de fatiguer les gens. Hein. Arrêtez de fatiguer les gens. C'est les décrets que vous devez décider là-bas. À l'Assemblée nationale. Voilà les vrais problèmes que vous devez parler là-bas, en fait. Vu que vous êtes incapable de mettre les gens, de mettre les Gabonais dans la fonction publique. Mais faites des décrets qui verrouillent ça, en fait. Verrouillez notre pays pour nous. Vous ne voyez pas l'exemple de la Guinée équatoriale? Vous croyez qu'au Cameroun, une nationalité étrangère peut occuper le marché Mokolo? Vous croyez qu'au Bénin, une communauté étrangère, au Sénégal, une communauté étrangère, dans tous les pays où ils sont tous là, ils posent leur sale cul dans le marché Mambouette là. Vous croyez que chez eux, ils peuvent accepter qu'une. Arrêtez de faire d'énerver les gens. Hein. Si aujourd'hui là, on nous insulte, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Le CTRI, tu viens de prendre le truc, je ne te mélange pas d'abord à l'intérieur, mais il faut voir ça clair là. Parce que tout le système bongolais est là à cause de vous. Donc, vous qui êtes là, les gars du CTRI là, faut réfléchir sur les vrais sujets en fait. Donner l'opportunité aux Gabonais de reconquérir leur pays. Faites des décrets afin que nous-mêmes, nous puissions occuper tous les secteurs d'activité. Notre pays est catholique et traditionnaliste. Vous pensez que c'est normal que chaque vendredi, un Gabonais chez lui, un Gabonais chez lui, chaque vendredi attend de 12h à 14h ou de 12h à 15h. Parce que tous les boutiquiers, majoritairement, c'est les saïs. Les saïs partent à la mosquée. Ça pénalise. Donc toi, Gabonais, chez toi, tu es là, tu as faim. Tu as faim. Tu as faim. Hein? Chez toi. Tu n'es même pas un pays musulman. Tu n'es même pas un pays musulman. Mais tu dois être impacté. Tu es obligé d'attendre. Ça veut dire que c'est eux qui nous donnent le rythme dans notre pays. C'est eux qui nous donnent le rythme. C'est ça la vérité. Quand on parle de la femme gabonaise, comme elle dit là, ouais, les femmes gabonaises, et ça me fait mal quand on parle de la femme gabonaise comme ça. Quand je me rappelle à notre époque, même les saïs là, pour mettre même un bisou à une femme gabonaise, c'était compliqué. Le mot mougou, hein, mougou, qu'on parle mougou là, c'est comme ça qu'on appelle. Vous les petits, vous êtes encore jeunes, hein, mougou que vous employez là. C'est comme ça là qu'on appelait les saïs. C'est là-bas où vous avez dit, alors vous disiez, je parle chez mon mougou. Les gars baillaient le Shiba. Un saï pouvait même te damer un an. Un an. Pour faire le bisou à la centrale. Un an pour faire le bisou à la centrale. Il te damait un an comme ça là. Parce que la Gaboma, elle n'avait pas le temps. Elle prenait souvent le dos. Elle bougeait. Non. Parfois même le dos là, c'est lui qui forçait. Parce qu'elle était contente de sortir avec son frère Boma. Mais aujourd'hui, nos soeurs se retrouvent là-bas. C'est pas la bordellerie. Non. L'homme et la femme n'ont pas la même manière de supporter la faim. Comprenez? L'homme et la femme ne supportent pas la faim de la même manière. Comprenez ça? Quand une femme, elle est positionnée, et on connaît les réalités du Gabon. Parfois avec la faim, c'est ta mère qui va te dire à la maison, tu as 16 ans, c'est pas ici que tu vas pleurer à la faim, fais comme les autres. Fais comme les autres.
elles partent là-bas, majoritairement même nos petites sisters là. Bon, après, la nouvelle génération, elles sont devenues des grosses bordelles. Elles sont devenues des grosses bordelles aussi là-bas. Mais majoritairement, les filles qui bougent chez les sailles là. C'est-à-dire, ah, ma ex aime parfois les yeux. Tu vois, Demba Diop, un vilain. Parfois là même, les dents sorties comme, qui connaît Papa Polo? Qui connaît Papa Polo? Qui connaît Papa Polo? Qui connaît Papa Polo? Les dents comme ça. Mais tu vois, la bonne petite du quartier jaune. Et puis les gars là, toujours Bunja. Les filles, quand elles commencent à sortir, les seins sont à midi pile. Tout est bien bossé. C'est là où les connards là, avec leur long bike là, commencent à nous bousiller même les sisters. Je me fous même les boules, même les choses comme ça là, quoi. Et après même, ils partent même nos sisters là. Est-ce qu'ils épousent nos sisters? Parce que quoi? Gabonaise est égale à bordel. Donc vous venez nous montrer le respect à nos femmes. C'est en fait, c'est à nos femmes que vous venez montrer le respect en fait. Tout ça à cause de la précarité. Les Gabonais souffrent, ça me fait mal. Hein. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui nous manquent de respect chez nous à cause de la précarité. Ça fait mal. Hein. Ça fait mal. On est en train de rire, mais moi, ça me fait sérieusement mal. On a chez nous le jeune Gabonais qui est là, qui veut travailler pour s'occuper de sa petite chérie. Il n'a pas d'emploi. Il devient cocufier. Sa petite chérie va sortir avec Uche. Parce que quand le gars sort pour dire que je cherche à aller taper mes briques de 5000, il tourne. Il ne trouve pas le boulot. Il rentre à la maison. Il n'y a rien à manger. Mais qu'est-ce que sa chérie va faire? Elle n'a pas dit Mounja dehors. Elle n'a pas dit Mounja dehors. Nous, tout ce que vous dites là, et le dialogue, on va être impératif dedans. La première, je dis bien, l'emploi. Tout ce que vous allez faire, vos bétons que vous mettez là, parce que je n'ai pas envie de parler de vos choses. Parce que je n'ai pas encore vu des routes dignes de ce nom. Bon, si les Gabonais considèrent que ça, c'est les routes, moi, je vois la dalle. Je n'ai pas envie de rentrer dans les débats stériles. Je suis en train de regarder ce sont des pays où je vois les vraies routes. Moi, je vois la dalle. Hein? Voilà, ça, je dis bien, effectivement, voilà, route du quartier. Regardez. C'est même pas l'autoroute. C'est pas l'autoroute. Route du quartier. Ça, c'est la route du quartier. Donc, vous type des routes là que vous mettez là-bas, c'est, moi j'appelle ça le béton. C'est pas la route, ça. Donc, je vais pas rentrer dans vos histoires là. Si les Gabonais là, confirme que c'est les routes, je suis pas là-bas. Donc, prenez la tête à ceux qui ne vivent pas dans les pays où il y a les vraies routes. Vous laissez ça là-bas. Mais, ce que moi je sais là, c'est que les Gabonais veulent travailler. Ce que moi je sais là, c'est que les Gabonais sont motivés à travailler. Ce que moi je sais là, c'est que les Gabonais sont déterminés à travailler. Et ce que moi je sais, c'est que ce soit dans la fonction publique ou dans les activités entrepreneuriales, tous les secteurs sont vissés. À la fonction publique, vous prenez vos parents. Dans le côté de l'entrepreneuriat, vous laissez la légion étrangère nous verrouiller là-bas avec votre accord. Avec votre accord. Vos projets, Oligiville, pardon. Je vais même plus rentrer dans les histoires là. C'est terre, il n'a qu'à faire ce qu'ils veulent là-bas. Moi, je m'en fous même à la limite. Mais dès que je vais regarder le peuple gabonais avoir de l'emploi, on va reparler de quoi? Parce que quand tu as ton emploi, tu achètes des briques pour construire ta maison. Les Gabonais sont obligés de rester dans la maison comme Jésus dans la maison du Père. Les Gabonais reste dans la maison comme Jésus dans la maison du Père. Mais Oligiville, ils sont en train de vouloir faire Oligiville à Oyem. Là, c'est leur problème, man. Moi, je ne rentre pas dans les conneries, là. Ça, c'est leur histoire. Faut regarder, faut suivre les actualités. Faut suivre l'actualité. Faut suivre l'actualité. Ils ont leur problème là-bas. Moi, je ne regarde pas ça. Moi, mon véritable problème qui est là,
c'est que vous, qui êtes au bled, on doit tout faire, tout mettre en place, que ce soit dans le domaine entrepreneurial, que ce soit dans la fonction publique, dans tous les secteurs possibles, vous trouvez de l'emploi. C'est la seule chose, hein. Quand tu travailles, tu t'en fous les meetings. Quand tu travailles, tu t'en fous du culte de la personnalité. Quand tu travailles, tu n'as pas le temps de ça, en fait. C'est ça le véritable problème. La petite dame mérite d'être rapatriée. Et ses parents avec, en fait. Doit d'abord aller faire un tour chez eux. Ouais. Ses excuses, c'est bien. Et ça l'a montré, ça va servir d'exemple, en fait. Donc, on ne peut pas venir humilier notre nation comme ça. C'est comme si elle prenait le drapeau gabonais et elle marchait dessus. Ah ben, dis-tu, tu as présenté des excuses, mais tes excuses ne sont pas à la hauteur de l'acte que tu as eu à commettre. Tu comprends, ma petite? On a ton visage. Le CTRI doit te rapatrier. Je suis désolé. Et avec ta famille. Voilà. Comme ça, on va d'abord vous montrer ça. Et la deuxième option. Et ça, je vais dire ça au CTRI. Vous allez dire que je vous insulte encore. Je suis un homme d'affaires. Je suis dans mon coin. Mais il faut éviter les choses qui vont encore m'emmener à délaper. Trouvez une solution. Faites des décrets. Communiqué bar, CTRI. Dorénavant, le transport au Gabonais. Communauté bar. Dorénavant, 80% machin au Gabonais. S'il n'y a pas l'argent, vous financez les projets des Gabonais. Vous pouvez décaisser 100 milliards pour mettre ça là, en place, pour financer. Alors, quel 100 milliards? Même 200 milliards. Arrêtez de faire comme si on parlait d'un pays qui n'a pas l'argent. N'insultez pas notre intellect, les gars. 200 milliards, ça ne vous coûte rien. Voilà 200 milliards. On met à la disposition des Gabonais qui viennent avec des projets. On va occuper le marché. Voilà. Moi, je vous vis ma boutique, je vois les chaussures. Je n'ai pas de financement. Ok, c'est combien? Devis. Bam, 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 bam. Ok, 10 millions. Bam, bam, bam. Ok, tu rembourses. Content. Bam, voici ta boutique. Bam, va là-bas. Même les banques ne financent que la légion étrangère. Toi, Gabonais, tu vas demander un prêt à la banque. On va te compliquer la vie. On va te compliquer la vie. Toi, Gabonais, tu vas demander, tu as ton projet. Tu vas voir la banque. Tu dis, ah, voilà mon projet. Le projet est top. Mais pour te financer, là. Aïe. Mais tu vas voir les Saïla, les Niga, les machins, les Libanco. Ils arrivent. On les finance. Ils arrivent. On les finance. Mais toi, Gaboma, tu bouges là-bas, on ne te finance pas. Faut arrêter ça, les gars. Faut arrêter ça, sérieusement. C'est un truc à arrêter. Les Gabonais ne veulent que travailler. C'est ça. Donc, la famille, c'était mon petit coup de gueule. Je retourne dans les affaires. Voilà, ça dérange. Mais c'est comme ça. Quand tu as un homme d'affaires, tu dois te faire du chiffre. Et j'ai un challenge de la Défense Arena à remplir là. Sinon, Caleb va venir me dire que j'ai fait un an sans remplir ça. Caleb a dit que j'ai fait un an sans remplir ça. Grâce Caroline, dès que je termine le live, je t'appelle. Je suis devenu le Conus, le Richus. Vous voyez? Comme moi-même, je viens, je fais l'expérience de l'entrepreneuriat. Je viens vous dire qu'il y a de l'argent dans l'entrepreneuriat. Je suis un exemple. Je suis devenu Baloconus Richissus. Je vous dis, et ça ne me fait même pas encore un an. Je vous le dis, c'est Baloconus Richissus. Donc, c'est ça aussi que j'ai envie de voir mes frères qui entreprennent et ils prennent aussi le dos. Ils prennent aussi le dos. Donc, chercher. Financer les Gabonais à entreprendre.
Parce que tout le monde n'a pas un capital de départ. Les Gabonais ont des projets, mais n'ont pas le capital de départ. Donc, financer ça là-bas, de caisser 200 milliards afin de financer les Gabonais qui viennent avec des bons projets, qui vont créer de l'emploi à d'autres Gabonais. Parce que, vas-y, toi, là, on va te dire ton projet, c'est 100 millions, va faire ton truc, toi, tu allais prendre les Saï, les Bilinkouma. C'est ça aussi, les Gabonais. On va te financer. Et regarde comme moi, dans mon équipe, il n'y a que les Gabonais. Ouais. C'est le bail de Conus Richus. Je suis dans mon équipe, dans ma société. Bon, déjà. Humilité jamais. Hein? Il n'y a que les Gabonais. Donc, toi aussi, là. Quand on va se battre, dès que l'argent va venir, là, tu vas commencer à dire, oh, moi, je prends mon. Parce que nous aussi, on est mauvais. Hein? On est très mauvais. Tu vas commencer à dire, oh, je prends le Saï. Parce que le Saï, tu vas dire, bah, moi, je vais bailler le Saï, là. Ouais, 5 000. Le Gabonais va me raconter la vie. On va bailler le Saï, là, 5 000. Et bien, toi, toi-même, maintenant, tu vas maintenant prendre les Saï. Tu vas décharger tes frères Boma. Quand tu fais le Wela, tu prends tes frères Boma. Mets tes frères Boma au boulot. Tu construis ta maison. Il y a beaucoup de petits au quartier là qui savent monter les briques. Prends tes petits, mets-les au boulot. Bah, vous voyez quoi, les Saï, les Benukuma, les machins qui viennent vous construire les maisons là, ils ont quel diplôme? C'est des poseurs de briques. Et qui vient là-bas avec un diplôme genre spécifique, là, pris à Basile, on dit Mbaou, ou là-bas. Vous dites que voilà, j'ai maintenant un diplôme. Non. Mais quand tu vois la bouille du Saï, tu dis, ouais, il va bien construire la maison. Dès que tu vois le Gabonais, tu vois un jeune Gabonais. Et pourtant, le gars, il peut te prendre la maison de la fondation jusqu'à la clé. Mais toi, Gabonais, dans ton spirit, non, il va me faire. Tu n'as même pas confiance à ton frère Gabonais. Tu n'as même pas confiance en ton frère Gabonais. Toi aussi, si vous êtes pareil. Alors, je peux pas donner un Gabonais. Le Gabonais va faire quoi? Si vous êtes pareil. Par rapport à la mentalité. Je dis bien partout. Il y a des malhonnêtes partout. Oh Seigneur, la Watavala. Oh, les bombes. Bon, les gars. Moi, je dis. Non, les gars, moi, je suis en train de go. On se tient.